Bonjour. On papotait avec Ben et tout, puis au bout d'un moment, on fait oh, t'as vu l'heure? Ah, ben ouais, il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, j'ai vu, Cécile, que tu vas passer ton permis de conduire. Écoute, moi, je l'ai passé 3 fois en France. Oui, bon, je l'ai toujours pas, mais tu vois, il faut. Je suis sûre que tu seras meilleure que moi. Voilà, juste pour te dire que je suis sûre que tu seras très bien meilleure que moi. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, attendez, une petite goutte de. Non, c'est pas du rhum, malheureusement. Une petite goutte de thé à cette heure-ci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, écoutez, on va voir comment on va corriger les erreurs dans la brioche, puisque bah, vous avez pu vous en rendre compte. C'est peut-être pas une technique si difficile que ça, mais quand on fait une erreur, eh bien là, c'est très complexe des fois de savoir comment la réparer. Et nous allons aussi voir comment nous allons rabattre avec ce fameux rabat en I-cord. Donc, ok, c'est parti. Donc, j'ai déjà tout préparé. Voilà. Oups. Reste là, petit micro. Ok, on est là. Salut Chris, salut Marilou. Alors j'aimerais te dire que oui, cette belle tasse que j'ai là, je l'ai trouvée dans un petit marché de céramistes au fin fond de Pezzouli les Moumouts, mais en fait non, pas du tout. Malheureusement, je l'ai trouvée chez Winners. Mais on va garder ça entre nous, d'accord? Ok. Alors. Ok, on est là. Ok, donc, regardez, pour vous et rien que pour vous, j'ai fait une magnifique petite erreur. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je manque un tout petit peu de lumière, Ben, juste. Est-ce qu'il y a un truc qui marche pas ou... Voilà. Et voilà. Il n'y a Cascade. plus de caméra. C'est terminé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Waouh! Donnez-moi juste un. Plus de lumière, hein? Oui, plus de lumière. Oui, ça va être super. Merci beaucoup. Ok. Donc voilà. Donc comme je disais, pour vous, j'ai fait une magnifique erreur. En fait, j'en ai fait deux. La première erreur que j'ai faite, vous voyez, c'est que j'ai oublié de faire un jeté autour de mes petites mailles bleues, vous voyez. Donc les deux qui sont là, normalement, je vais rapprocher un petit peu, attendez. Voilà. Donc vous voyez les deux petites mailles bleues qui sont là. Normalement, elles devraient avoir le petit jeté qui leur passe par-dessus, là. Eh bien, il a été oublié. Ah, zut. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, je vais aller directement, je vais me rendre là. Donc, regardez. Je vais essayer de trouver. Hop. Voilà. Ok. On est là. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ok. Donc. J'ai plus le châle, mais en fait, le petit jeté, regardez, je peux aller facilement le retrouver derrière le fil. Il est simplement passé de l'autre côté. Vous voyez, donc il est dans le dos. Donc j'ai juste à aller le chercher, puis je vais simplement le placé, vous voyez, sur l'aiguille, ça pose pas plus de problème que ça. Je vais aller placer le deuxième. Donc, encore une fois, voyez, je suis sur une maille qui aurait dû avoir un jeté et qui n'en a pas. Vous voyez, elle devrait être comme la bleue qui est ici. Puis elle, là, on a oublié, on est passé tout droit. C'est pas grave. On va venir chercher donc son petit jeté derrière et on va le passer par-dessus. Ah, j'aime bien cette lumière, Ben. Voilà. OK. Le plus simple dans la brioche, c'est toujours de pouvoir rattraper ses erreurs sur le côté où on va travailler sur l'endroit. D'accord? Donc, il suffit de simplement. Là, j'ai un échantillon
particulier, mais il suffit simplement de retourner si vous n'êtes pas sur le bon côté, d'accord ? C'est vraiment important. Une autre chose dans la brioche sur laquelle je voyais d'autres tutos, hein, parce que je vais regarder un petit peu tout ce que les collègues disent pour, voilà, pour tirer le meilleur. Et j'adore, puisque j'en ai une qui disait... ben, si dans la brioche, l'erreur que vous voyez, elle n'est pas dramatique ou si elle est sur l'envers, eh bien, vous l'oubliez. Ce qui me paraît être un excellent conseil. Mais c'est vrai que, voilà, quand on a un fil qui passe comme ça par-dessus, ça peut être embêtant. Donc, on va aller le corriger. Donc, je vais simplement me rendre jusqu'à cette étape-là. Et voilà. Ok, donc, vous voyez, je suis sur l'émail en droit. Je vais d'abord l'enlever. Et donc, j'ai fait une erreur ici. Et j'ai mon fil qui est passé par-dessus. Alors, sachez que ça va être un peu pour tout le même genre d'erreur, la même façon de travailler, d'accord ? Donc, cette maille-là, au lieu de se retrouver avec son jeté par-dessus, ben, le fil, il est passé en fait tout droit. Donc, il va falloir défaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec... ben moi, là, j'ai une petite épingle à kilt. Mais si vous avez une petite épingle de sûreté, ben vous allez, ça va faire l'affaire. Ou un anneau repère qui s'ouvre fera très bien l'affaire. Et je vais venir vraiment dans la maille d'en dessous. Et je vais prendre la maille d'en dessous et aussi le jeté qui doit l'accompagner. D'accord ? Donc, je prends donc le jeté qui doit accompagner et la maille d'en dessous. Et voilà, et je vais les sécuriser comme ça pour pouvoir défaire sans que ça commence à défiler. Donc maintenant, on va faire très attention parce qu'on ne veut pas que ici les mailles débarquent. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit chapeau. Hop, un petit chapeau. Alors, attendez. Un petit chapeau. Ah, voilà. Voilà, donc je vais prendre un... Voilà, moi j'aime bien ça, c'est... les petits chapeaux, vous voyez, hop, juste histoire de pouvoir faire mes affaires sans que ici ça débarque. Donc je suis là et attention, bye bye, hop, je vais défaire. Et oui, je sais, ça fait très 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 peur. Voilà, et je suis à l'endroit, voilà, je suis à l'endroit où il fallait que je corrige. Vous voyez, je récupère cette maille là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais prendre un crochet qui est à peu près de la même grosseur que mes aiguilles, d'accord ? Donc, ça peut être un crochet qui est une taille ou deux tailles plus petit. Je vous conseille pas plus gros, par contre. Et on est là. Donc, j'ai ma petite boucle. Alors, je vais essayer de vous faire ça le mieux. Voilà, j'ai ma petite boucle qui est... ici, oui, je sais, Chris qui a peur. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors, on est là. Je suis dans la boucle, je vais le récupérer. Maintenant, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois les deux jetés qui sont ici. Parfait. Et je vais passer sous un et je vais passer sous deux. Et oui, vous m'avez entendu, mesdames et messieurs, ce n'est pas un, mais deux que nous allons prendre. Et ensuite, je vais récupérer le fil bleu qui est le fil principal. Ok, et attendez, je vais juste faire une petite mise au point. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, voilà. Je veux juste que ça soit le plus clean possible pour vous. Ouais, là c'est mieux. Ok, donc vous voyez, je suis passée sous les deux fils blancs, j'attrape le fil bleu et je vais le passer en dessous de mes deux fils blancs et ensuite à l'intérieur de la maille. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. S'il y a deux fils blancs, c'est pas inquiétant, d'accord? Voilà, ensuite je vais continuer. Donc vous voyez, je vais passer sous un, deux fils blancs, d'accord? Donc toujours deux, et je vais aller donc attraper le fil bleu et je vais passer sous les deux fils blancs et ensuite je vais rentrer la maille dans la maille bleue. Voilà, donc vous voyez, ça commence à ressembler à ce que ça devrait être. On continue.
Donc, je repasse sous une, deux mailles. Je prends le prochain fil bleu. Et je vais repasser dans ma maille. Voilà. Oups. Il y en a qui ont profité pour se faire la malle. Non, non, non. On reste ici. J'aurais dû mettre un chapeau sur les deux aiguilles. Voilà. Allez, il me reste donc à aller chercher le dernier fil bleu. Donc, je passe 1, 2. Je viens chercher. Et voilà. Là. Bon, ben regardez, tout beau, tout neuf. Ok, donc c'est aussi simple que ça, entre guillemets. C'est toujours simple quand on sait le faire. Vous pouvez vous entraîner à le faire avec un... Putain, il lui manque un petit jeté. Hop, on va te rajouter ton petit jeté. Vous pouvez tout à fait vous entraîner. Voyez, je voyais qu'il lui manquait un petit jeté. Je lui ai juste remis un petit jeté. Donc, vous pouvez vous entraîner évidemment sur des petits exemples. Mais comme vous avez vu, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sécurisé la maille en dessous de mon erreur. J'ai défait jusque-là. Ensuite, avec un crochet, je suis juste venue sous... deux jetés de la couleur contrastante, attraper ma maille, la passer en dessous et faire ça. Alors, est-ce qu'on récupérera une maille perdue exactement de la même façon? Oui, José, on va récupérer une maille perdue de la même façon. C'est exactement la même façon. Alors, la seule chose, c'est que, évidemment, si vous vous en rendez compte, si vous vous rendez compte que vous avez perdu une maille, mais que vous en rendez compte genre à la fin de votre col et que la maille elle est au tout début, évidemment ben là c'est une cause perdue, on va prendre un bout de fil et on va sécuriser la maille perdue avec le tricot, d'accord? On peut venir bidouiller comme ce que je viens de faire, je vous dirais entre 6 et 8 rangs après l'erreur. Si vous dépassez ça, quelque part, le tricot, c'est comme refermer autour de la plaie et ça va vraiment être très, très difficile de venir jouer là-dedans. Ok, donc, bon, on a une marge de correction, mais on ne peut pas se dire « Ah, ben, je vais m'occuper de cette correction quand, j'aurai le temps et que j'en aurai envie. » D'accord? Donc, voilà. Ce que vous pouvez, encore une fois, hein, entraînez-vous. Entraînez-vous sur un petit échantillon si vous voulez. Hein. Moi, vous voyez, j'ai fait comme d'habitude le petit échantillon en rond et à plat. Hein. Mais voilà, un petit crochet aussi simple que ça. Et hop, je remonte tranquillement en passant sous les deux brins, en prenant ma maille et en remettant la maille à l'intérieur. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Ok, parce que... c'est vrai que la brioche n'est pas une technique, c'est une technique qui, dès qu'on a une petite erreur d'inattention, nous le fait payer drôlement cher. Donc, c'est quand même chouette de pouvoir y aller avec le cœur un petit peu plus serein. Ok, donc maintenant, de quoi je vais vous parler? Eh bien, une fois qu'on a terminé notre col, on va faire un rang d'augmentation. Mais on va d'abord faire un rang de transition, c'est-à-dire que on va faire ce rang de transition pour pouvoir revenir au fait d'avoir des mailles entre guillemets normales et plus d'avoir des mailles avec des jetés. Donc ça c'est, je vais faire juste un petit, je t'en parlerai un peu Anne alors après. Ok, donc, hop là, ok, voilà. Ok, donc vous voyez quand on dit... après un rang 2, faire un rang de transition. Donc, le rang de transition, comme je vous disais, c'est simplement parce qu'on a besoin de revenir à des mailles qui vont être complètement normales. Oui, hein, Anne, Laurence, I feel you, au début, la brioche, jusqu'à ce qu'on ait compris parfaitement le concept de ce petit couple de jeter maille glissée, puis ensuite une maille en droit ou une maille envers. Elle peut vous faire du voilà, elle peut vous faire tourner un petit peu en bourrique, c'est normal. Ok, donc le tour de transition, comme vous pouvez le voir,
On va briocher, comme d'habitude, hein. On va venir briocher, mais on ne va pas, on va pas faire de mailles glissées et jetées. Donc, tout simplement, vous voyez, je vois couleur de rang de transition. Donc, braid, donc ça va être la brioche à l'endroit. Donc, brioche à l'endroit, on se rappelle. Je tricote ma maille avec mon jeté à l'endroit. Et ensuite, une maille à l'endroit. Et puis, on fait tout le tour comme ça. Tout simplement. Donc il n'y a plus, en fait, pour transiter de d'un tricot entre guillemets normal à un tricot de brioche, ben simplement on va briocher, donc on va tricoter les mailles ensemble, mais on ne va plus faire de couple glissé jeté. Voilà. Ah, t'as fini par réussir, Laure? Ah ben voilà. Oui, et c'est de toute façon, hein, dans le tricot, il n'y a absolument aucun miracle. On se l'approprie en le répétant jusqu'à ce que ça soit bien compris. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai fait mon rang de transition. Donc je n'ai plus aucun couple jeté maille glissée. Ensuite, on va faire un rang d'augmentation. Donc ça, bon, les augmentations intercalaires, on les a fait, refait et refait. Hein, donc je ne vais pas trop y revenir dessus. Juste sur la compréhension de ce que j'ai écrit. On commence avec une maille en droit, une augmentation intercalaire. Mais après, ce qui va être répété, c'est deux mailles en droit, une augmentation intercalaire. Deux mailles en droit, une augmentation intercalaire jusqu'à la fin. D'accord ? Donc, c'est juste au début, on commence par une seule maille à l'endroit, une augmentation intercalaire. Mais après, vous avez un rythme de deux en droit, une augmentation intercalaire jusqu'à la fin pour arriver à 121 mailles. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement... parce que si on était resté à 80 mailles, vous n'auriez pas pu passer votre tête à travers le col. J'ai essayé, je l'ai essayé sur ma fille, comme je le disais la première fois. Ça ne fonctionne pas. La brioche est extrêmement élastique, donc elle est tranquille. Mais quand on veut rabattre d'une manière normale, ou en étant passé par du point mousse, eh ben là, eh bien, ça accroche parce qu'on va avoir une vraie différence. Voilà. Donc, je suis arrivée à... J'ai augmenté mes mailles, donc j'en ai 121. Et je vais joindre une couleur 2. Bah écoutez, hop, on va joindre une couleur complémentaire. Ah bah je l'ai là, ok. Donc, hop, je vais couper mon premier fil et je vais travailler donc avec ma couleur 2 pour rabattre en high cord. Alors, c'est donc un tricot circulaire, hein, donc ne... Voilà. Je triche un petit peu en tricotant, voilà, ces fameux échantillons circulaires, voilà. Et pour cela, il va nous falloir deux aiguilles double pointe. Ça va être très important. Oui, il y a marqué après un rang 2. Après un rang 2, faire un rang de transition. Mais là, c'est, moi, ce que j'explique, j'essaie d'expliquer ce que je pense pourrait être difficile à comprendre. Mais le reste, je vous laisse le lire. J'ai entièrement confiance en vous. OK. Donc, on commence. Je suis donc avec deux aiguilles double pointe. Ça, c'est très important. Et puis, j'ai toutes les mailles de mon col qui sont ici. Je vais commencer par monter trois mailles dans la première maille. Alors, cette façon de monter, il y a beaucoup de gens qui montent exactement de cette façon-là. On l'appelle aussi le knitting cast on. Donc, je suis ici et je vais tricoter ma première maille. Sauf que, au lieu de sortir de mon aiguille, cette première maille, je vais venir l'installer sur l'aiguille qui est là. Juste essayer d'être un petit peu plus, voilà, est-ce que, ouais, ça fonctionne mieux. Donc, je suis ici, donc là, j'ai monté une maille, donc je suis ici, je tricote dans la maille, voilà, sauf que, au lieu de laisser tomber ma maille, celle-ci va se retrouver sur mon aiguille de gauche. Donc là, j'ai monté deux mailles. Et c'est reparti. Donc, je tricote à nouveau dans la maille. Voilà. Je sors mon fil.
Et la nouvelle boucle que j'ai, je vais la placer ici. Voilà. Donc, à partir de la première maille du début du rang, j'ai monté 3 mailles supplémentaires. Et là, je vais venir commencer mon high cord. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, vous allez vouloir rabattre en high cord tout ce que vous avez. C'est parti. Je tricote 2 mailles. Voilà. Et la troisième et la première maille du début du rang, je vais les tricoter ensemble. Mais attention, je vais les tricoter ensemble torse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je vais aller les chercher dans le brin de derrière. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, je vais, comme une machine à écrire de l'ancien temps, vous savez, on va ramener le chariot à l'avant. Donc, je ramène mes 3 mailles au début de mon aiguille. Mon fil, si vous voyez bien, il est resté derrière sur la dernière maille. Mais je vais pouvoir tricoter, je vais pouvoir tricoter la première maille. Donc, c'est là où ma deuxième aiguille double pointe agit. Je vais donc tricoter 2 mailles. 1, 2. Voilà. La troisième, je vais juste la glisser sur mon aiguille, voyez, et la reglisser sur l'aiguille de gauche, puisque qu'est-ce qu'on va faire? À nouveau, la troisième maille et la maille suivante, on va les tricoter ensemble, torse. Voilà. Je resserre. OK. Et à nouveau, on va swinguer les mailles donc, qui sont à gauche, on va les amener au début de l'aiguille, donc sur le côté droit. Le fil, comme vous pouvez le voir, il est sur la troisième maille, d'accord? Il est vraiment du côté gauche. Et je vais venir tricoter la première maille, celle qui, justement, eh bien, elle n'a pas de fil. Voilà. Donc, c'est comme un tricot circulaire mini. Et je recommence, je tricote 2 mailles. 1, 2. Voilà, je glisse la troisième maille pour pouvoir la glisser sur l'aiguille de gauche, puisque ce que je veux faire, c'est tricoter ensemble la troisième maille et la maille suivante. Ensemble, torse dans le brin de derrière, je resserre, je commence à voir mon petit high cord qui apparaît. Je resserre, je reswing les mailles vers la droite. Alors, Cécile, est-ce que tu trouves que ça a l'air plus facile avec sans les doubles pointes ou avec les doubles pointes? Parce que moi, je trouve ça bien plus facile. Ça minimise, je trouve, les actions à faire. Allez, une petite dernière fois. Ça va bien apparaître comme ça. Donc, j'ai fini 2 mailles ensemble. Maintenant, j'amène mes mailles vers la droite au début de mon aiguille double pointe. Je prends l'autre aiguille double pointe, je tricote 2 mailles, 1, 2, voilà. Ensuite, je glisse la troisième maille sur mon aiguille, je la reglisse sur l'aiguille de gauche. Et là, je vais donc tricoter ensemble la troisième maille avec la maille suivante. Et je les tricote donc torse, donc dans le brin de derrière, voilà. Regardez, donc on a un beau petit boudin qui est en train de se faire. Voilà, un petit high cord, voilà. OK? Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend juste un petit peu plus de temps puisque bien, on vient de rajouter des mailles au fur et à mesure. Mais c'est une super bordure, notamment pour les couvertures de bébé. Si vous voulez aussi border la bordure d'un petit hoodie ou de ce genre de choses, c'est vraiment, vraiment pratique. Ça fait une très, très belle finition. C'est très net. Bon,
Merci Ben pour le compliment. Oh, ça se prend bien. Ok, donc ben, on va en avoir terminé en fait pour notre fameux petit yak en brioche. J'espère que l'expérience a été agréable et pas trop douloureuse. C'est quelque part la brioche de couleur est vraiment une des brioches les plus simples à faire puisque c'est très clair ce qu'on peut voir. Puisqu'on a choisi qu'il y a une couleur, ça serait que les mailles en vert, l'autre couleur que les mailles en droit. Donc, une fois qu'on a pris un petit peu, qu'on a compris le concept, pris le rythme, je vous promets que ce n'est pas si complexe que ça. D'accord ? Donc, j'espère voir bientôt, évidemment, les photos de ce petit col qui, vous allez voir, est tellement doux puis tellement moelleux que voilà. Alors, ok. Maintenant, c'est l'annonce du prochain cours. Donc, j'ai essayé. Oh, comment assembler le i-cord à la fin ? Excusez-moi. Oui, j'avais noté de le faire et évidemment, je ne l'ai pas. Je l'ai oublié. Alors, comment est-ce qu'on va assembler ça ? On va simplement faire une petite couture. Donc, à la fin du i-cord, on rabat. Hein, donc, attendez. Céline, tu parles. Montre. Ok, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, ben oui, je suis désolée, j'ai dit que... Ok, voilà. Ok, donc, quand mon i-cord est terminé, ben, je vais rabattre mes trois mailles. Hein, quand je suis arrivée jusqu'au bout des mailles, qu'il ne me reste en tout et pour tout que trois mailles, je vais vraiment juste simplement rabattre mes trois mailles. Voilà, ok. Hop, un petit ciseau. Je vais me laisser assez de fil pour pouvoir faire ma couture. Donc, pour pouvoir coudre ensemble les deux extrémités de mon i-cord. Donc, j'ai fini, j'ai rabattu, j'ai coupé mon fil. Hop, je le passe dans ma boucle, hein, rabat traditionnel. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vraiment simplement faire une couture d'une extrémité avec l'autre. Donc, c'est vraiment, vous prenez votre fil, votre petite aiguille à laine et vous les joignez l'un à l'autre. Ça va être très, très simple. Voilà. Les jambières vinaigrettes. D'où est-ce que j'ai sorti les jambières vinaigrettes, moi ? Alors, les jambières, en fait, je les ai commencées. Je les ai finies. Et elles iront très, très bien à un cheval percheron. C'est pas gentil, Ben, je t'ai entendu. Je vais aller les chercher, j'arrive. Et, c'est pour... Et vous allez comprendre pourquoi j'ai changé de projet le temps de faire des ajustements. T'es pas gentil, Ben. J'arrive. Je m'en vais, puisque c'est comme ça. Ok. Voilà. Et, ben, ils ont bien. Et si elle revenait plus, et ça serait une blague. Non, ça aurait fait une super blague à Ben. Je reviens pas. Il est là. La 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 la. Qu'est-ce que t'aurais fait, Ben, au bout d'un moment ? Bon, je vais vous raconter une histoire. Je le garde dans ma tête pour le moment. Ok. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vraiment, vraiment travaillé rapidement pour pouvoir vous offrir un beau projet. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait ces super belles jambières avec un petit motif XOXOXO, vous voyez. Donc, j'ai vraiment travaillé fort. Maintenant, une fois que je les mets, elles sont vraiment... Sur le haut, c'est super, mais en bas... écoutez, si c'était la mode pâte d'eff, ça serait merveilleux, mais là, ça l'est pas. Il faut vraiment que je fasse des ajustements. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, il faut que je fasse des ajustements. Voilà, c'est un petit peu des fois le défi de faire du design en une semaine ou deux. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça parce que entre l'idée de départ, le prototype et ensuite les ajustements à faire, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que j'y retravaille. Voilà. Je sens qu'on se moque de moi. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Je vous propose un autre projet rapide à faire qui est déjà écrit, que j'ai déjà fait l'année dernière et ça s'appelle le pull Madeleine. Donc, le pull Madeleine, je l'aime bien parce que c'est un pull super rapide à faire.
En plus, j'avais envie de me le faire dans une autre couleur, donc c'est super. Ça me donne toujours le choix de pouvoir m'en faire un autre pour moi et de laisser celui-là à la boutique. Donc, le pull Madeleine, ce que j'adore, c'est qu'il ne prend genre rien du tout. Il me prend 200 grammes de laine. Donc, avec un cône de Madi, ça c'est le nom de mon mohair, un cône de Madi, pouf! Vous faites un pull en entier, puis en plus c'est des super grosses aiguilles, on va travailler avec du 10 mm, hein, donc pratiquement du piquet de jardin, quoi, du 10 mm, et puis pour les bordures du 8 et du 7. Donc c'est vraiment là genre super gros. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? C'est un pull qui va se faire en morceaux, et donc ça va nous permettre de voir un peu les coutures. Mais ça va être vraiment tranquille. C'est un one size. Donc, c'est ce qu'on appelle les pulls, les fameux pulls boxy. Moi, ça me va très bien parce que j'ai des grandes pattes et que je suis plutôt mince. Je dis plutôt maintenant, mais... Les donc, pattes à cheval. Hein ? Non, j'ai rien dit. Tu veux que je monte sur mes grands chevaux, c'est ça ? Ok. Donc, je vais vous le montrer sur moi. Voilà, donc ça c'est vraiment, est-ce que je sais même pas si j'ai mis à l'endroit, c'est pas grave. Bon, c'est vraiment, ah oui d'accord, j'ai enrobé la chaise avec, ok. Donc c'est vraiment le genre de gros pull de chalet, le gros pull cocoon. Moi, ce que j'adore, c'est le porter avec mes jeans et mes boots. Voilà, j'adore le style, voilà. Ok, zut, j'avais oublié que j'étais en mou au niveau du bas. Ok, alors ce que j'adore dans le live, ce que j'adore dans les lives, c'est que normalement vous ne voyez que les hauts et que c'est ce que j'adore. J'ai plein de super petits hauts, mais j'ai genre un jeans troué et deux jolis hauts et deux jolis bas. Et donc j'étais là, c'est vraiment cool de travailler en ligne. Ouais, non, celle-là je l'ai ratée. Hein. Mais Bernard de Rome a fait ça tout le temps. Donc, écoutez, j'ai quand même besoin de vous montrer la hauteur de ton truc. Donc voilà, vous allez voir que je suis en mou. Voilà. Ok. Donc, c'est... voilà. donc, ça va être combien de cours après ? Alors, ça va être combien de cours ? Ah, ça y est, je meurs de chaud. Oh, ok. Donc, c'est vraiment un pull d'hiver. C'est vraiment un pull cocoon. Ça va être... allez, je vous dirais... c'est du rapido. Peut-être 4 cours. Ça va nous permettre de voir le rabat à 3 aiguilles. Ça va nous permettre de voir les coutures. Bon, je vous dirais que au niveau de difficulté, on est vraiment en débutant. Donc, si vous n'avez jamais fait de pull, c'est vraiment super cool, c'est the pull avec lequel on va commencer. Alors, pourquoi il y a une étiquette ? Parce que, tu vois, c'est le pull de la boutique. Toujours, il y a... Et t'imagines, la nana, elle n'a pas fait de design, elle va dans la boutique d'à côté, prêtez-moi votre pull. c'est parce que, voilà, c'est le pull de la boutique. Donc, il y a le petit nom et tout. Donc, c'est super pratique. C'est donc un one size. Le patron est disponible, il est complètement gratuit, c'est une de mes créations, il est en anglais et en français. Ben, tu vas le mettre, c'est ça ? Ben va te le mettre tout de suite. Et je vous dis, il prend rien comme laine, hein. C'est l'avantage du mohair. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout adeptes du mohair. Si vous voulez reproduire un peu cette grosseur-là, il va vous falloir quand même un fil assez mousseux. Donc, allez chercher de votre côté peut-être des espèces de fils un peu chaînettes avec de l'alpaga, parce que sinon, vous allez avoir un pull qui pèse 3 kg parce que c'est quand même des grosses aiguilles, les 10 mm. Donc, pour atteindre l'échantillon et tout, ben, ça peut être problématique, d'accord ? Donc, l'épaisseur, c'est ce qu'on appelle un super bulky. Alors, je n'ai pas le patron sous la main, mais je pense que c'est comme un 8 mailles au 10 cm. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous voulez un pull chaud et très léger, ben, le mohair, c'est quelque part la fibre de prédilection. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent être extrêmement sensibles.
Je rappelle quand même que c'est pas un pull que vous porterez avec votre lingerie fantasy juste en dessous. Normalement, c'est quand même un pull pour l'hiver. On porte un t-shirt et tout dessus, donc vous devriez être moins sensible. C'est un très beau mohair quand même, le mohair de la maison tricotée. Si vous êtes comme moi et que vous dites mais est-ce qu'il y aurait pas genre une option encore plus luxueuse, sympa. Dans ces cas-là, ben moi j'irai avec les fils fingering mohair et soie type knitting for Olive ou la dernière qu'on a reçue, la Zambezi, et je la triplerai. Oui, je sais, c'est cochon, mais c'est ce qu'il faudrait faire, d'accord. Et là, ça serait un genre, si vous voulez du super doux, eh bien il faudrait tripler un fil fingering mohair et soie et les tricoter ensemble. C'est très cochon et à mon avis, ça serait super, super agréable. Il en faudrait combien? Alors, attendez, 170 x 2, ça nous fait donc 360. Il nous faudrait donc 3 x 400 grammes. Donc, par exemple, si vous étiez sur la Zambezi, il faudrait... non, c'est ça, hein, 3 x 400 grammes. Oui, c'est ça. Il faudrait 3 des nouvelles Super Soft Kid. Et si vous étiez sur la Knitting for Olive, vous en faudrait à peu près 6. Voilà. Oui, c'est ça, 6. Voilà, voilà, voilà. Il faudrait faire un kit laine et pantalon mou. Ah ouais, mais alors le kit en tricot, là, c'est fini. Je ne me lève plus de mon canapé si je suis dans de la laine. Donc voilà, donc ça va être le projet que je vous propose. Moi, je trouve que c'est vraiment un... Ben voilà, moi, j'adore le style. Et puis, je suis sûre aussi que vous pouvez aller recruter du côté un peu ado parce que c'est un style qui va, je trouve, très bien du côté ado jusqu'à, ben écoutez, grande ado de 46 ans fonctionne très très bien avec moi aussi. Donc voilà, j'espère que c'est un projet qui vous enthousiaste. Et on se retrouve la semaine prochaine. Nous allons donc commencer à décrypter le patron qui, comme je vous dis, est très simple. Donc il vous faudra les aiguilles, la laine et on commence avec le dos et le devant. Et voilà, si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas, d'accord? Alors, pour le maxi, combien de pelotes? Donc, si tu vas avec la Madi, Laurence, c'est donc 200 grammes. Donc, 200 grammes de Madi, ça revient à 64 $. Donc, ça te fait un pull entier en super beau kid mohair. En plus, c'est vraiment, c'est le mohair qu'on a créé avec la droguerie. S'il y en a qui sont en France, le mohair de la droguerie sera identique. Vous pouvez aller là-dessus. Donc, c'est un super beau kid mohair. Et il vous faut juste 200 grammes et vous allez faire le pull, d'accord? Si vous voulez, par contre, faire une version beaucoup plus longue, je vous conseille de prendre 100 grammes supplémentaires, ok? Donc, ça vous reviendra à juste 64 $ pour faire un pull. Alors, évidemment, si vous n'avez pas les aiguilles, ça vous fait une dépense supplémentaire, mais il ne faut pas oublier qu'une aiguille, ce n'est pas un projet. Normalement, c'est du matériel, ça ne compte pas dans le projet. Voilà. Alors, si on n'a jamais tricoté du mohair, oui, ça se fait. Pourquoi? Parce que c'est du très gros mohair. C'est du gros... attends, tu vois, c'est simple. Moi, dès que l'automne pointe son nez, je me fais des pulls en mohair. J'ai à peu près que ça dans ma garde-robe parce que c'est une de mes fibres préférées. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais mettre... On avait un lien sur... on a fait une conférence sur le mohair. Tu pourrais le mettre? Voilà, donc Ben va vous mettre le lien de la conférence sur le mohair que j'ai donné. Ça va vous apprendre un petit peu. Donc voilà, vous voyez, je suis en train de me faire un pull dans la couleur préférée, c'est la couleur Sarah. C'est moi qui étais la choisir dans les filatures en France de la droguerie. Et au début... ils m'ont dit, mais waouh, c'est une des couleurs les plus complexes à obtenir. Et je voulais l'appeler épinard de l'espace, mais personne ne m'a laissé faire. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a tellement de liberté que ça. Et le fil, comme vous pouvez le voir, est un très gros fil. Alors, pour grande taille, je te dirais, Laurence, que il fait... Attends. Il n'aura pas le même style, d'accord? Parce que sur grande taille, évidemment, ben, il n'aura pas l'effet slouch. Hein, il fait... Alors, c'est des grands carrés, hein, donc il est quand même assez facile à adapter. Mais
Je vais te dire tout de suite ça. Il fait à peu près... il fait à peu près 132 centimètres de tour de poitrine. Donc, ça peut aller sur une grande taille. Mais ce que je recommande dans ces cas-là, il va falloir l'allonger pour avoir un... il va falloir l'allonger pour avoir une belle disposition dans la morphologie du pull, d'accord ? Donc voilà. Donc je conseille, si vous décidez de faire une grande taille, si vous avez donc par exemple un tour de poitrine plus grand, de le faire un petit peu plus long, qu'il ne se transforme pas en bralette non plus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi ? Ouais, moi aussi, j'ai faim. Tu vas manger quoi à midi, Ben ? Non, c'est parce que tu parles d'épinards, de moutarde. On le trouve où, le lien sur le mohair, me demande Cécile. Il est un petit peu plus haut. Mais ah, il est un petit peu plus haut, me dit Cécile. Et le revoilou. Voilà. Moi, j'ai mangé de la patate douce, Ben. Ouais, ça sentait bon. Hein, ouais, parce que là, ce que vous ne savez pas, c'est que le studio, hein, vous ne voyez que ça. Hein, c'est comme mon petit haut, hein, vous ne voyez pas mon bamou. Mais j'ai la cuisinière à côté, donc j'ai fait des patates douces pour midi. Alors, qu'est-ce que tu me demandes, Laurence ? 10 cm. 10 cm quoi ? 10 cm. Laurence, je te suis pas. 10 cm. Combien de mailles aux 10 cm peut-être ? L'échantillon ? Écoute, là, j'ai pas le patron sous la main, donc je ne peux pas te dire, mais tu le verras sur le patron. Il ne faut pas oublier, c'est un lien avec un téléchargement complètement gratuit. 7 mailles par 12 rangs. Ok, 7 mailles aux 12 rangs. Tu vois, quand je disais 8 mailles, j'étais pas loin. Ah, j'adore les frites de patates douces, mais... Une frite de patates douces qui se respecte a toujours une mayonnaise légèrement épicée avec. Sinon, non. Ah, 10 cm de longueur en plus, ben ça dépend de ta hauteur. Mais l'avantage, ce que je dirais, c'est que comme c'est un peu un grand rectangle, tu peux l'essayer sur toi. Ça sera le mieux. Vraiment, ça sera le mieux. Cécile, si tu as une recette de mayonnaise épicée, je prends. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Hein, c'est qu'on va commencer le Out of Darkness dans une heure. Donc, il va falloir que j'aille manger mes patates douces. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente, excellente journée.